avant que la vidéo ne débute, je vous préviens que officiellement que ma chemise Roblox officielle et mon pantalon officiel sont officiellement disponibles dans mon groupe Roblox. Tapez juste ce nom sur Roblox, Van Grand Abus Group, et allez dans boutique. Vous pourrez retrouver mon t-shirt officiel qui se marie bien avec le rouge et le noir. Vous pouvez aussi bien sûr retrouver dans les habitants. Et vous retrouverez aussi mon pantalon officiel. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bonne vidéo. Et yo les gens, c'est Vague. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon. Aujourd'hui, les gars, ça fait super longtemps qu'on s'est plus retrouvé sur Theme Park Tycoon. Et je vais vous présenter mon parc. Alors, mais avant que la vidéo ne commence, bien sûr, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification, ainsi que de commenter, partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on rush les 1000 abonnés. Je compte sur vous encore quelques-uns. Et on y est. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme jeu. Parce que là, je suis un peu en manque d'inspiration. Je ne vais pas vous cacher. Du coup, voilà. Alors, vous croyez c'est mon parc ça? Non, 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 c'est moche, c'est moche. Je vous rappelle que j'ai activé, désactivé les collisions. Hein. C'est pas pour rien. Ok, je récupère encore ce boost de tous les jours. Nanana. Et bienvenue dans mon parc, les gars. Vang. Le Vang. Le Van. Le Varc, je sais plus comment. Ouais, le Varc. Non, c'est nul. Je changerai de nom plus tard. Sinon voilà, bienvenue dans mon parc avec ce nouveau thème que j'ai recommencé depuis le début. Et j'ai bien sûr Béa la blade de thune. Normal, j'ai envie de vous dire. Du coup voilà, j'ai commencé mon parc, je vais le présenter deux secondes. Je l'ai commencé il y a très longtemps, c'est-à-dire il n'y a même pas un mois. J'ai construit d'abord ça, c'était la première chose qu'il me fallait faire. Et bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Il me faut l'entrée, moi. Du coup, voilà. Alors, j'ai les fêtes, j'ai rajouté mes petits trucs à moi, vous voyez, avec des néons et tout. Et du coup, voilà. Et maintenant, regardez le résultat, c'est magnifique. Alors, ici, vous avez l'entrée, bien sûr. Ici, c'est pour les personnes handicapées qui peuvent monter en chaise roulante. Ici, pour les personnes normales, vous avez ça et la sortie. Alors, vous avez ce magnifique logo Welcome qui s'allume avec des néons qui sont synchro et qui vont de haut en bas avec tous les palmiers et ce thème volcanique parce que le thème de mon parc c'est le thème volcan et jungle un petit peu. Donc, ici vous avez comme si on était au centre d'un volcan avec ici un geyser comme vous pouvez le constater avec une attraction qui passe par là, du feu, de la lave, etc. Sinon voilà. Alors ici vous avez les tickets alias les boissons. C'est facile à dire mais voilà, comme maintenant Dennis il a ajouté que les trucs pour personnaliser, j'ai fait ça, j'ai mis que c'était les tickets. Donc voilà, ici vous avez la place principale avec ma fontaine, merci monsieur, les lampes, les bancs, etc. Ici vous avez le volcan, le volcan, oui, le volcan. Avec ici, comme je vous ai dit, la fontaine, avec l'eau, tout le marbre, ma statue personnelle, etc. Ici, vous avez un mini volcan alias le pop, le volcano pop, égal au centre de popcorn. Du coup, voilà, avec ça, bien stylé. Alors, pour s'y en est du volcan, vous allez me dire, oh, mais pourquoi il y en a un? C'est une file d'attente, tiens, pourquoi? Oh, il y a un truc à l'intérieur. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Il y a bien sûr une attraction à l'intérieur, je vous laisse deviner laquelle. Quelques secondes. Je vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, temps écoulé. Et vous allez voir, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que le gravitron, gravitron alias le centre du volcan. Je vais l'appeler bientôt le noyau interne. Donc ici vous avez le volcan, ici vous avez un diffuseur de fumée avec on dirait une pierre. Du coup voilà, qui projette la fumée du volcan. Vous avez la roche et tout, vous êtes vraiment au centre du volcan. Vous avez le chemin de lave, comme si vraiment on était au centre, etc.
Et là, on sort et on arrive là avec ces petits diffuseurs d'eau qui permettent de diffuser une image en particulier. Donc voilà, une texture de volcan qui est ici, qui cache bien. Par contre, ouais. Du coup, voilà, vous avez le volcan, le décor et tout, la lave qui coule, etc. là-dedans, avec la fumée. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Donc voilà, je suis en train de continuer une zone ici qui sera bientôt là, mais je vais vous la faire voir après. Après la première attraction du parc, le coaster, plutôt le premier coaster du parc, qui se nomme Jungle, voilà, Tropical Walk, pardon. Tropical Walk, balade tropicale. Avec la file d'attente que j'ai créée moi-même, et ici que je vais faire ça. Et que je ferai sûrement du coup la file d'attente que pour les personnes comme nous, les skins, les gens on s'en fout, ils ont la tête dans le sol, c'est surtout pour que ce soit ici méga beau pour l'attraction. Donc voilà, vous avez l'attraction qui arrive tout de suite. Et un marché du tonnerre quand même, cette attraction elle a déjà eu combien de visiteurs, tiens, on va regarder. 1000 quand même, elle rapporte 26 000. Du coup voilà, on va la tester. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Ça mélange aussi un peu de plage, regardez sur le côté là, c'est magnifique, surtout pendant la nuit. Et là vous avez la petite cave où on commence. Et je vais faire deux tours de l'attraction pour vous montrer là en première personne. Et après en troisième personne pour vous la fluidité du manège en vrai. Ici vous arrêtez, ah bah non, il est déjà parti l'autre. Il y en a deux, voilà, vous montez. Et c'est parti, je vous laisse profiter. Virage de la flotte et ici on est arrêté le temps que l'autre wagon arrive lui aussi à son stade. Je vous montrerai après. Il faut que l'autre wagon soit aussi sur le blocks break, sinon ça fonctionne pas. Quand il sera sûr, on pourra démarrer et l'autre train aussi démarrera. Et c'est parti. Voyez, regardez le train là aussi, il va démarrer. On les entend crier. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Olé, là on a la tête en bas. On se tourne. Et hop, là on est freiné par contre. Faut pas abuser. Et là on entre dans une cave qui est en train d'être en construction, elle aussi. Et là, vous êtes arrivé à la fin avec le beau petit décor, etc. Et maintenant qu'on est arrivé à la fin, je mets la troisième personne pour la fluidité du manège. Donc voilà, on est arrivé. Sortez, merci très chers visiteurs de votre visite. Aussi, si vous ne savez pas, la nouvelle mise à jour de Theme Park Tycoon, il peut vous donner des quêtes, les personnages avec un point d'exclamation au-dessus de votre tronche, de votre tête. Ce qui vous permet de faire des quêtes et obtenir des crédits. Les crédits servent à mettre des skins bien particuliers pour les attractions. Donc je vous laisse profiter du spectacle et de la fluidité de l'attraction pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Le virage ici, il a coupé un petit peu. C'est pas trop grave. Du coup, là, on est stoppé. Et on attend l'autre attraction. On est reparti. Let's go! Là aussi ils sont partis, hop. Ok, vous êtes prêts pour la descente en arrière et c'est parti. Let's go. La tête à l'envers, ça se redresse. Le petit virage, là on est un peu freiné. Là on descend la cascade d'eau.
Et voilà, on est arrivé avec les roues et tout qui sont dans l'eau. Magnifique. Une petite attraction qui éclaire l'eau. C'est vraiment tout paisible et tout calme, ce qui est vraiment magnifique. Donc voilà, on est arrivé à destination. Alors ici vous avez un petit peu une style de petite mer avec bien sûr de l'eau, des rochers, du sable, un peu thème de jungle, un petit peu mélangé, des palmiers, etc. Là vous avez encore un geyser qui propulse de temps en temps bien haut et tout. Oula, par contre j'arrive plus à remonter. Alors ici la zone en construction. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos parce que maintenant il va y avoir des épisodes où je ne parlerai pas, vous pourrez observer mes constructions. Alors ici je vais mettre, voilà, comme ça sera un peu plus clair. Ici vous avez une entrée avec des pierres et tout bien stylées, les petits palmiers, etc. Ici bientôt il y aura une plage, il y aura de l'eau, etc. Là j'ai déjà fait les sièges, vous voyez, avec les tables. Il y aura des stands de nourriture, etc. Parce qu'il faut quand même prendre la place qui nous est imposée. Hein. On va pas laisser tout ça vide et rien mettre pour le décor de l'attraction. Il y aura de l'eau, etc. autour. Il y aura des petites stands de nourriture. Ce sera beau. Du coup, voilà. Bon, je vous aurais expliqué tout ce que j'ai prévu de faire dans mon parc. Ça aurait été une petite présentation de mon parc, surtout. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de mon parc, ce n'est que le début, hein. Le début, je dis bien. Sinon voilà, et j'espère que cette petite introduction de mon parc, présentation, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notif. Et j'ai oublié un tout petit truc, ici vous voyez, là c'est où j'ai toutes mes attractions qui font ma fortune. Vous mettez des petites attractions comme ça, une à côté de l'autre avec des stands et des bancs, etc. des poubelles. Vous obtiendrez autant de thunes que moi. Mais pour un petit dire, autant il faut aussi s'abonner à la chaîne. Non, je suis pas venu putaclic, mais bon, c'est pas grave. Allez, en tout cas, c'était Magne et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les amis.